question, le travail d'éducation des masses, ils ont commencé à comprendre ce que c'était être indépendant, ce que c'était être souverain. Et c'est ce qui a conduit à voir que dans la plupart des pays africains, un pays comme le Cameroun, les masses, la France la plus importante de la population a été, comment dire ça, a épousé cette thèse nationaliste, cette thèse qui prônait l'indépendance de notre pays et sa souveraineté. Mais quand on nous a donné cette fausse indépendance dans les années 60, cette indépendance factice que les nationalistes de le pauvre continent, c'est une fausse indépendance. En langue bassa, ils disaient Koundé Séguéla. Koundé Séguéla, c'est-à-dire que l'indépendance est restée Suspendu quelque suspendue part. quelque part. Il faudra encore un effort pour le décrocher, pour décrocher vraiment cette indépendance pour qu'elle soit réelle. Et on voit jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'en réalité, Koundé Séguéla, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. Le ton de Macron, l'attitude de Macron démontre vraiment suffisamment que dans cet espace-là, je suis libre de dire ce que je veux, de faire ce que je veux, sans qu'il y ait la moindre petite réaction. Malheureusement, nous continuons d'utiliser leur langue. Cette affaire-là, on n'en parle pas assez, mais elle veut son pesant d'or dans le poids des chaînes qui continue de nous enlacer et de nous ramener à cette situation d'esclave, n'est-ce pas, de cet Occident et de cette France-là, qu'on n'aura pas assez de temps de décrier. Parce que, Steve Slungos, regardez un peu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un Malais, hein, c'est un citoyen de la Malaisie, Oui. quand il se lève le matin, il a pour préoccupation d'écouter ce que France Inter ou bien France 24 a dit. Ça lui passe même pas par la tête, il sait que c'est quoi. Quand le matin arrive et que quelqu'un de Costa Rica se lève pour prendre son chemin et s'occuper de ses, je sais pas, de ses activités, est-ce qu'il a, il sait que France 24 c'est quoi? RFI c'est quoi? Ces gens-là n'ont de poids que chez nous. Ils n'ont de poids que chez nous. Pourquoi? Parce que justement, nous continuons de rester sur la domination de cette France et de cet Occident. Nous ne sommes pas encore indépendants. C'est ça qui est la vérité. Et plus grave maintenant, nous avons des dirigeants à la tête de nos États depuis que nous créons. On a dit non, ils ne comprenaient pas, maintenant ils commencent à comprendre. Je veux bien qu'on m'explique en quoi nos dirigeants commencent à comprendre quelque chose. Ils ont laissé la possibilité à ces médias mainstream, à ces médias mensonges, sous le couvert de la France, de pouvoir émettre chez nous sans le moindre petit filtre. Sans le moindre petit tamis. Vous êtes au fond de mon village, vous écoutez les gens qui écoutent RFI, même au champ, dans leur plantation. Ça veut qu'il y a certains de nos parents qui vont au champ avec des Avec la petites radio. radios. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on peut avoir DBS à FM, je ne sais pas, à Paris? On peut avoir la CRTV, parlons de Cameroun, à FM à Paris. Mais ils inondent complètement tout l'espace francophone. Donc, et ils émettent 24 heures sur 24. Il y a des radios locales qui n'ont pas la même amplitude de transmission que ces gens-là. Conséquence, ils ont le loisir de tordre le cou à la vérité, de donner une information orientée, de donner des informations qui vont dans le sens de leurs propres intérêts. Et comme ils nous bassinent les oreilles à longueur de journée de leurs fausses informations, les gens ont tendance à penser que ce qu'ils disent, il y a Un fond de un vérité. fond de vérité là-dedans. Et c'est pour cela que l'attitude de l'État malien est une attitude noble, digne. Si moi, on me donne le pouvoir aujourd'hui au Cameroun, chef de l'État, avant, on a quelle heure là? Avant quelques minutes, je suspends RFI et France 24. Ils n'émettent plus chez moi. Je coupe les conneries là. Parce qu'on l'a très bien dit, vu, avec la crise ukrainienne, avec cette opération militaire spéciale que Vladimir Poutine et le peuple russe sont en train de mener. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a vu toute l'Union européenne se mettre d'accord pour empêcher. Ils parlent de démocratie, ils parlent de droit à l'information, ils parlent de liberté. Mais pourquoi eux ont suspendu Russia Today et Sputnik dans leur espace? Pourquoi? Ça ne met plus dans leur espace. Ils sont démocrates. C'est ça la démocratie? C'est ça la liberté d'informer? Pourquoi eux l'ont fait? Mais là, il suffit que
le Mali prenne une décision similaire, que alors les cris d'orfraie soient lancés de partout. Même l'Union européenne a réagi pour dire que c'est inacceptable. Mais qui sont-ils? Ils sont qui? Pour prendre une pareille décision. Tout à l'heure, il y a un jeune qui est passé ici avant nous, sur votre plateau. Oui. Il faisait des propositions, comment on peut faire pour financer l'Union africaine. Vous avez vu comment, en un clin d'œil, le gars a démontré que l'Union africaine peut être autofinancée par les Africains sans avoir l'apport de qui que ce soit. Oui. Je n'entre pas dans le fond, parce que bon, dans le fond, il y a encore des réserves par rapport à sa proposition. Mais il a démontré que les Africains eux-mêmes peuvent financer l'Union africaine. Quand je vous parle souvent de la bourgeoisie africaine, la plupart, dans sa frange la plus large, elle est d'une idiotie sans pareil. Comment sans pareil? Même les conneries de satellites, là. Est-ce que ça dépasse aux Africains de monter eux-mêmes leurs propres satellites, aller voir les Russes, pourquoi on nous balance un satellite dans l'espace? Et être dépendant, ne plus être dépendant des satellites occidentaux. On peut le faire, mais ils ne le font pas. Ils préfèrent aller acheter des manoirs, je ne sais pas, sur la côte californienne, à Mayfair, à Londres. Ils préfèrent que leurs femmes aillent faire leurs layettes, je ne sais pas, à Nice, et à coucher à Baden-Baden. Ils sont seulement des Africains, nos frères, parce qu'ils ont la même peau que nous. Mais ils sont complètement ailleurs, cette élite-là. Elle ne se considère pas du tout comme les Africains. Et c'est elle qui nous fout dans le trou, là, dans des situations comme celle-là. Où M. Macron peut continuer de parler aux Africains avec une condescendance hors norme. Parler à tout un pays avec l'attitude que M. Macron a eue là. Qu'il règle le problème de la Corse, qui lui pend au nez, qui ne s'occupe plus ni de Mali, ni de l'Afrique. Donc je pense sincèrement que nous sommes face à une situation où nous devons encore redoubler l'effort. Nous en appelons encore à nos intellectuels, à nos bourgeois. Venez au secours, renforcer, n'est-ce pas, la résistance médiatique africaine. Renforcer la résistance médiatique africaine. Venez au secours des gens qui sont ces porte-voix, n'est-ce pas, ces voix qui dans le désert que nous sommes. Ne nous abandonnez pas. Parce que, en nous abandonnant, vous créez les conditions d'un esclavage ad vitam aeternam pour les générations futures, qui n'auront pas d'autres sons de cloche, qui n'auront pas d'autres médias alternatifs, comme c'est le cas de DBS, pour leur donner une autre information qui n'est pas l'information relayée par RFI et France 24, ces conneries-là. Vous entendez souvent ils aiment dire, selon des sources généralement bien informées, ça veut dire que le mensonge va commencer. Ça veut dire qu'ils vont vous battre, ils vont mentir maintenant comme vous n'avez jamais vu. Ils reprennent toujours, selon les sources de génération, généralement bien informées, il semble qu'un atelier ici va être promis au poste de directeur, je m'achète, ça dit que le mensonge est en train de commencer. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils font. Comment ils vont détruire les choses pour que ça ne marche pas comme les Africains le veulent. Et les Africains sont là, ils regardent nos élites, ils sont couchés, personne ne veut bouger. Et je comprends, beaucoup de nos élites sont de connivence avec ces gens-là. Même la question de France CFA, là, Simon. Je suis convaincu que beaucoup de nos élites ont des intérêts à continuer à maintenir le France CFA. Je vous assure, parce qu'on ne peut pas comprendre avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a un économiste qui est là. Qu'est-ce qui bloque encore pour qu'on n'aille pas de l'avant? C'est parce que nos élites, c'est une mafia dans laquelle ils sont bien enrobés. Ils ne peuvent pas bouger. Et ils voient ce qui arrive aux oligarques russes. Quand on criait aussi pendant l'histoire des biens mal acquis, c'était bien de dire qu'on n'a pas à s'attaquer aux nôtres sous le fallacieux prétexte que ce sont des biens mal acquis, puisque ce ne sont pas des biens français. Mais regardez ce qui arrive aux oligarques russes. N'investissez pas sur les gens. Votre bonheur, c'est chez vous. Bien sûr. Investissez dans les projets de Simon. Investissez ici chez vous. Personne ne viendra vous enlever ça. Vous voyez, Roman Abramovich. Oui. Quelqu'un qui a fait. Mais ce n'est pas possible qu'à redorer le blason de football anglais à travers Chelsea. Vous voyez ce que lui a réservé? Est-ce que les gens voient ça? Et tous les médias occidentaux, Kourous, mais plus grave encore, c'est un média anglais. C'est maintenant qu'on découvre que c'était un braqueur, c'était un voleur, c'est quelqu'un qui a fait ça pour s'enrichir. Quand il mettait son argent pour que Chelsea gagne les Champions League, il n'était pas un voleur. Subitement, il devient un voleur. Pourquoi? Parce qu'il refuse de condamner son peuple, son pays,
et son président. Il devient subitement un voleur. Tous les petits, excusez-moi le terme petit, mais je veux dire que les sportifs russes là, les petits boxeurs, les cyclistes, en quoi sont-ils responsables de ce... Ils ne sont même pas dans les partis politiques. Mais on les condamne de ne plus compétir. Et on nous fait croire que c'est ça la démocratie, c'est ça les droits de l'homme, etc. etc. Le Mali est dans son droit d'accréditer sur son sol les médias qu'ils veulent. Il a le droit de retirer l'accréditation aux médias qui les embêtent et qui veulent créer la chenille au niveau du Mali par une désinformation et des mensonges éhontés, comme c'est le cas de France 24 et consorts. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui font de la propagande, ils ne sont plus dans l'information. L'information, c'est la capacité d'être neutre le plus possible. Mais quand vous êtes dans la propagande, comme c'est le cas de ces médias mainstream, on a l'impression qu'ils sont tous rangés. J'ai même une question qui est aussi une question des... Excusez-moi, les LGBT là-dedans, l'histoire des gays là. Et parce que c'est eux qui contrôlent la plupart de ces médias occidentaux. Ouais. Certains médias, même au Cameroun, aussi profitent déjà de ces histoires-là, de ces réseaux gays. J'ai dit, vous savez que ce que dit est vrai. Certains médias gays là. Alors, vous n'avez pas nous imposer votre pourriture, vos trucs de caniveau, et pensez qu'en Afrique, les gens ne pourront plus réagir. On va réagir jusqu'à ce que vous coupez nos têtes. Parce que quand vous regardez, vous avez déjà... Il y a un gars qui avait tué en Côte d'Ivoire, là, comment il s'appelait là? Il était tué de RFI. Jean-Hélène. Un homme qui s'appelle Jean-Hélène. Bon, on dit que non, il n'avait plus le nom de sa mère, il voulait faire machin. Mais tout le monde sait ce qu'il faisait à Libreville. Vous ne savez pas. Tout le monde sait ce qu'il faisait à Libreville. C'est un journaliste camerounais. Hein, qui gueule beaucoup là, qui écrivent des pamphlets de gauche à droite, on connaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Et en Atoll, on connaît, non. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Et on sait comment ils sont financés. On connaît les réseaux de financement. Certains ONG au Cameroun qui hurlent beaucoup et qui depuis un certain temps, on n'entend plus beaucoup. On connaît vos financements. Oh. On connaît vos financements, c'est d'où ça vient. Pas arrêter ça. Ne pensez pas que les Camerounais et les Africains sont de plus en plus naïfs. Donc, au Cameroun, de prendre des décisions. Moi, ça ne dépendait que de moi. Malgré que notre gouvernement soit comme il est, dans un peu de temps, n'acceptez plus les RFI en FM chez vous. Mm-mm. Non, France 24, limitez ça. Donnez, il faut qu'il y ait des réciprocités. Le temps d'antenne, la couverture médiatique, c'est comme notre espace aérien. Si vous voulez que France 24 puisse émettre 24 heures sur 24 sur notre espace, vous aussi donnez-nous la même possibilité pour que nos télévisions nationales puissent aussi émettre là-bas chez vous. Après, on verra. On verra. Donc, ça suffit comme ça. Donc, je pense sincèrement que c'est une tentative de M. Macron qui a été battue à plat couture sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le terrain. On voit aujourd'hui l'action des femmes qui vont de victoire en victoire. Ils tentent par tous les moyens, mais là, j'ai été estomaqué. Il dit, il va appeler Nana Akufo-Addo. Mais ce n'est pas possible. Appelle Kim Jong-un, puisque tu es le Jupiter, le dieu du monde. Appelle Kim Jong-un, on va voir ce que tu peux faire. Donc il faut arrêter avec cette mascarade-là. Nous sommes en plein dans une tentative de lobotomisation de nos cerveaux en nous faisant croire que ce qui vient de Paris, en termes d'information, c'est ça qui est la vérité. On sait pertinemment que c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Ils sont dans une dynamique parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir dans le monde avec ce qui se passe. Ils ont peur de perdre des avantages dans le monde. Ils ont peur, n'est-ce pas, de la nouvelle, avec la création d'un nouveau paradigme qui va instaurer un monde multipolaire. C'est ça qui les fait peur et c'est pour ça qu'il faut taper sur le Mali parce que le Mali, justement, est en train de nous montrer qu'on peut vivre sans avoir là, une feuille de route, n'est-ce pas, qui sort de Paris tous les matins. Vous vous souvenez de l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec le palais ici, l'ambassade de l'autre côté, il y a la route là, mais il y a un tunnel en bas. Alors tous les matins, il fallait que quelqu'un descende pour aller chercher la feuille de route de la journée chez l'ambassadeur de l'Île-de-France pour imposer au président de la Côte d'Ivoire. C'est exactement ce que ces gens veulent continuer à faire avec nous. Ça ne peut pas continuer comme ça si vous êtes un gosse. Nous disons merci, n'est-ce pas, à l'État malien, merci au colonel Assimi Goïta et à son premier ministre Chogel Maïgal. Ça, c'est la voie à suivre pour l'ensemble des Africains parce que l'information n'est plus neutre. D'abord, elle n'a jamais été neutre. Mais en ces temps de guerre, elle est davantage corrompue. Si quelqu'un vous dit que l'information est neutre, il vous a trompé. Parce que j'ai été sidéré dernièrement, je crois que c'était dimanche. Je regarde la télé chez un ami.
on est en famille. Malheureusement, ils sont sur le bouquet canal, que c'est mon fils aussi. Et là, c'est moi, j'ai compris les dégâts que font ces bouquets canal au niveau de notre continent. Et on tombe sur les informations, par hasard. Et j'entends son épouse dire, vraiment, Poutine aussi, il est méchant. Hein? Comment il aime tuer les gens comme ça? Les gens là, lui ont fait quoi? Hein? C'est-à-dire, il y a vraiment les démons aussi dans ce monde. Regardez les gens qui tuent. Hein? Il tue même les enfants. Je regarde mon ami, je dis, mais tu ne dis rien. Il dit que je suis dépassé dans cette maison. Ça veut dire que débranche-moi l'histoire de canal, ça tu jettes ça à la poubelle. C'est même quoi avec vous? Hein? Non, je vais faire comment? Puisqu'il y a les télé nouvelles là, il y a les séries même africaines, les Mutumba qui passent. C'est pour ça que madame ne peut pas se passer de son canal. Il dit que débranche-moi la canal, tu jettes ça à la poubelle. Ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est dangereux parce que ça atteint des couches que nous ne contrôlons pas, qui sont encore jeunes, qui sont encore vierges, qui ne sont pas des hommes politiques qui ont la capacité de réflexion comme Edmond Kouyaté et, ou bien vous. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment le verre dans le fruit et ils empêchent justement qu'une certaine éducation nouvelle, une certaine refondation de notre société puisse se faire avec beaucoup de plus d'aisance. On aurait des blocages, on aurait des lourdeurs tant que ces gens-là vont continuer à distiller le venin dans notre société. Donc, à nous de prendre nos responsabilités. Et je suis d'accord avec Simon. Il faut boycotter Canal+, il faut déchiqueter ces histoires-là parce que ce sont des agents de propagande pour continuer à entretenir ou bien à maintenir nos populations dans des formes de domination plus proches de l'esclavage que d'autres choses. Merci pour cette première prise de parole. Edmond Kouyaté, la censure est la chose la mieux partagée sur Internet, tout le monde le sait. Et la France est en tête des pays dans le monde, oui, qui pratique la censure. Mais c'est elle aujourd'hui qui crie au loup. Comment comprendre cela? Steve, dans une tribune, j'ai dit exactement ceci. Que le plus grand mal qui a été fait aux Africains, du moins à certains Africains, a été de blanchir leur cerveau, mais tout en les maintenant dans une peau noire. Ça, c'est le plus grand mal qui a été fait à l'Afrique. Et parmi les instruments d'influence géostratégique, vous avez les médias, vous avez l'armée. Oui. Mais il faut savoir que dans la hiérarchisation de ces instruments-là, les médias viennent avant l'armée. Parce que la guerre est d'abord communicationnelle avant d'être une guerre sur le terrain. Donc, si vous prenez la chose sous ce prisme-là, vous allez comprendre l'importance, l'influence des médias et que des supports de communication dans notre pays. C'est des instruments d'abrutissement, d'avilissement, de vassalisation, de manipulation. Je dois vous rappeler, Steve Jocelyn Gosse, que oui. Si je suis un bon manipulateur, je peux retourner contre vous, votre femme et vos propres enfants, au point où vous ne les reconnaissez plus, au point où vous n'avez qu'une seule envie, fuir votre maison, quitter votre maison. Je peux amener votre femme et vos enfants à vous rendre la vie tellement amère, tellement difficile, que vous ne pourrez plus supporter, vous n'aurez plus qu'une seule envie, vous couper de votre famille. C'est ça la manipulation. Et c'est ce qui se passe depuis des années dans notre pays avec RFI, France 24. Qui ne sont rien d'autre que des chaînes de manipulation et les autres également. Et de propagande. C'est toutes ces chaînes-là. CNN et tout ça. CNN, BBC. SNBC. Mais Steve, ce que je dois vous dire, c'est que pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être à l'extérieur, ces chaînes n'ont pas la même influence, c'est-à-dire que dans leur pays d'émission, qu'ici chez nous. Non. Non, mais je ne sais pas combien de Français sur 10 suivent France 24. Je ne sais pas. Je ne pense même pas qu'ils... C'est pas pour... Et c'est fait à dessein, s'il te plaît. Parce que la qualité d'information, le contenu, n'est pas tourné vers la France. C'est tourné vers l'Afrique et vers le reste du monde. Ce n'est pas tourné vers la France. Et c'est fait à dessein. Et donc... Vous allez poser-vous la question, par exemple, pourquoi certaines chaînes françaises,
cette fois-ci qui distille l'information pour la France. C'est pourquoi ces chaînes ne sont pas sur le bouquet CanalSat. Posez-vous la question. Parce qu'on ne veut pas que vous ayez la contradiction, que vous ayez, n'est-ce pas, l'esprit critique, que vous vous demandiez, mais pourquoi dans le même pays, on a une chaîne qui dit ceci et l'autre qui dit exactement le contraire. Faites le tour. Amusez-vous, par exemple, à faire le tour sur un sujet précis pour voir la grille d'analyse. Allez sur TV5, vous allez permettre de souffrir ce matin qu'on cite ces conneries-là. Hein. Oui, TV5, allez-y. Monde, CNews, C8, France 24, BFM, LCI. Faites le tour, balayez l'ensemble de ces chaînes. Vous allez voir que l'angle de traitement de cette information est exactement la même. Parfois même les mots sont les mêmes. C'est fait à dessein. Ce n'est pas un fait du hasard. Et donc, lorsqu'on a suffisamment pollué les esprits, on réussit, on atteint facilement certains objectifs. Regardez par exemple, prenez la guerre en Côte d'Ivoire. Allez regarder l'angle de traitement de l'information. Quand M. Ouattara et son armée commettaient des exactions, ça n'avait c'est rebelle ou c'est une armée. Il n'avait pas d'armée puisqu'il n'était pas encore. C'est rebelle. Bon, quand M. Ouattara, je vais insister, quand M. Ouattara et ses terroristes commettaient des exactions, parce que c'est ce que je voulais te dire, voilà. On les appelait les forces nouvelles. Et lorsque, en 2011, ça dit un an seulement après, parce que les événements ivoiriens ont lieu en 2009, 2010, et en 2011, on a la guerre en Libye. Lorsque le guide Muammar Kadhafi envoie la police et la gendarmerie rétablir de l'ordre, on parle d'exécution, d'exaction, de terrorisme et autres. De génocide. De génocide. Voilà ce qui se passe chez nous. Voilà comment ça se passe chez nous. Je ne comprends pas comment est-ce que nous avons réussi à assassiner notre culture, à assassiner, je vais dire, toutes nos valeurs avec tous ces médias mainstream-là, au point où aujourd'hui, quand vous regardez les Africains, ce sont des lobotomisés. Lorsque Parfait parle de CanalSat, dites-moi, vous savez, le dégât que CanalSat commet chez nous là, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que CanalSat commet chez nous. 8 jeunes sur 10 en Afrique sont prêts à mourir pour Paris Saint-Germain, pour Marseille, pour le Real de Madrid, pour Barça, pour... Mais ils ne se sont jamais demandés. Et ces mêmes jeunes, si tu leur poses la question, le championnat camerounais a démarré quand ils te disent, ben, tu dois écouter ces conneries-là, qui suit ça? Ça, c'est ce qu'ils vont te répondre. Ils vont... Connais, ne vous inquiétez, non, ils vont exactement dire, dis donc, ces conneries-là, qui suit ça? Si tu lui demandes le club de son village, il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Tu lui demandes, donne-moi 2 noms du club de ton village. Il ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il connaîtra ces 2 joueurs lorsqu'ils vont, par extraordinaire, faufiler, je ne sais par quel canal, et aller jouer pour Barça. Non, il va les connaître. Tout de suite, il va les connaître. Mais lorsque le gars ici se bat, il mouille le maillot. Non, on ne le connaît pas, on ne veut même pas le connaître. C'est des conneries. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais si, par extraordinaire, les gens croient que Eto'o a commencé à jouer au football quand il est arrivé au Barça. Les gens croient cela. Les gens ne savent même pas. Si tu demandes à plusieurs le parcours d'Eto'o, ici au Cameroun, comment il a commencé, personne ne te dira. Mais quand il arrive au Barça, oh non, l'étoile camerounaise. Pourquoi? Parce que les projecteurs des autres ont été braqués sur lui. Mais nous ici, nous n'avons rien fait pour mettre les projecteurs sur lui. Voilà ce dont il est question. Voilà comment on nous a détruits.
Voilà comment on nous a avilis. Voilà comment on nous a réduits à notre plus simple expression. Nous subissons tout. Nous n'agissons pas et nous sommes agis. Ce qui est vrai sur le plan sportif est vrai sur le plan culturel. C'est RFI Talent qui va venir dénicher les talents chez nous. Mais entre-temps, quand le gars est ici, il se bat à maîtriser un instrument. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Vous allez voir, même certains journalistes chez nous vont aller puiser l'information chez les autres pour nous diffuser ça ici. T'as toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça. Quel crédit est-ce qu'on peut accorder à nous-mêmes? Mais non. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de vivre comme ça? Parfait, vous a posé une question. Est-ce que chez nous, on s'est déjà posé la question de savoir, pour ne prendre que la chaîne nationale, est-ce que la chaîne nationale couvre même déjà l'ensemble du territoire avant de demander si elle est peut mettre à Paris? Lorsque Parfait dit que nos parents vont au champ, en plein forêt, avec des petites radios, avec des récepteurs, et qu'ils réussissent à capter RFI, est-ce qu'ils ont la possibilité de capter notre chaîne nationale? Non. Je dois vous dire que parfois, lorsque je suis sur l'axe entre deux villes, peut-être je commence une émission qui m'intéresse, mais après 10 kilomètres, c'est fini. Ça brûle. Mais en même temps, vous prenez RFI, vous avez RFI du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Vous vous rendez compte? Pareil pour BBC. Mais personne ne se pose des questions. Un jour, j'ai posé la question à un promoteur de radio. Il dit que non, en FM, nous avons une obligation de limitation de la zone de couverture. J'ai dit, ah bon? Mais RFI qui est depuis Paris, là, il n'a pas d'obligation de la zone de couverture. Pourquoi? Pourquoi lui peut émettre sur l'étendue du territoire et même dans toute l'Afrique? Donc, ça veut dire que là, toute l'Afrique, c'est la propriété de RFI. RFI. Mais Edmond, ils sont allés loin. Ils n'émettent pas seulement en français. Ils émettent en Aoussa, en Fofoldé, en Swahili. C'est-à-dire qu'ils sont même rentrés dans... Mais c'est terrible. C'est terrible cette histoire. Et personne ne se pose la question. Et vous savez ce que ça nous coûte. Je me suis amusé un jour à faire le calcul de ce que les Africains dépensent pour cette histoire de Canal Sat. Ça m'a donné des tournis, j'ai arrêté. Ça m'a donné des tournis. C'est-à-dire que ce que nous payons en Afrique, l'air, parce que c'est l'air, c'est parce qu'on paye. La plus-value, c'est quoi? On vous dit que vous avez 700 chaînes. Honnêtement, qui peut suivre 700 chaînes? Qui, dans ce monde, peut suivre 700 chaînes? Il y a 700 chaînes sur Canal? C'est ce qu'on me dit. Il n'y en a que 200. Qui peut suivre 200 chaînes? Avec les chaînes de radio. Avec les chaînes de radio. Je te coupe encore. Et les gens vous disent, ah oui, mais vous dites bien, vous n'êtes pas sur le satellite. J'ai dit, ah bon, ça veut dire que quoi? Dès que non, c'est le canal qui est sur le satellite. Oui, dit, ah bon? Oui, voilà les arguments qu'on va vous donner. Un gros câble opérateur, un brigand comme ça, ils disent qu'eux sont sur satellite. Oui. Donc, il faut maintenant commencer à expliquer aux Africains, oui, c'est quoi être sur satellite? Être sur satellite. Donc, voilà des tares et des avatars. Et quand même, Steve, c'est quoi ça? Mais c'est... Jusqu'à quand est-ce que nous allons supporter ça? Voyez-vous, je pousse parfois dans le cynisme, je me fais violence, j'ai beau me faire violence pour rester un homme bien éduqué, mais je n'arrive pas. Lorsque je vois ces petits Tintins dire avec condescendance, mais alors une arrogance à faire parler tous les démons de l'enfer, je vais appeler Nana Akufo-Addo. Mais de quoi est-ce qu'il est question, Steve? Mais il est qui pour appeler Nana Akufo-Addo? Il parle là du président en exercice de la CDAO. Je vais l'appeler. C'est-à-dire, on dirait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive dans ce continent? Et Nana Akufo-Addo ne peut même pas, son porte-parole ne peut pas se lever pour dire non, ça ne se passe pas comme ça. Diplomatiquement, un peu d'élégance.
Il va l'appeler pour lui donner des instructions. C'est ce que cela veut dire. Monsieur Edmond, permettez-moi que je vous coupe. Si allez-y. Si un enfant vous jure, soit vous l'avez porté à votre niveau, soit vous vous êtes baissé à son niveau. C'est de ça qu'il est question, voilà. Steve. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui arrive aux Africains? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà un petit tintin qui vaut rien. Mais Macron, c'est quoi? C'est qui? Non, c'est qui? C'est trop lui. C'est lui donner une certaine dimension humaine. C'est quoi? Macron, c'est quoi? Pour parler avec autant de condescendance et avec une véhémence. Mais de nous, les Africains, il estime qu'il condamne avec la dernière énergie, il condamne. D'ailleurs, il va demander à l'Union africaine, à la CEDEAO d'appliquer des sanctions, d'agir, et la France va porter cela. Mon Dieu. Fakir ne dit rien. Votre Moussa Fakir, il ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Personne ne dit rien. La dernière fois, je vous ai dit jusqu'où ce petit Tintin est allé jusqu'à griller, n'est-ce pas, le protocole diplomatique. Il s'en va, ils sont trois à faire une conférence de presse, mais c'est lui qui a la primeur. C'est lui qui annonce en prime l'information suivant laquelle le Niger va servir de base d'accueil, n'est-ce pas, aux bandits, aux terroristes qu'on a chassés au Mali. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est le monsieur Bazoum qui devrait annoncer cela. Et même pas en France. C'est au Niger qu'il doit l'annoncer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une question d'ordre de souveraineté. Mais lui, en pleine conférence de presse, il dit non, nous avons décidé n'est-ce pas, de redéployer au Niger. Mon Dieu, c'est pas possible. Non, jusqu'où est-ce qu'on va aller comme ça? Et il n'y a jamais personne pour le recadrer. Mais pour peu qu'une de nos autorités, n'est-ce pas, le mot dépasse un peu son esprit, qu'il dise quelque chose. Mais vous allez voir le tentama dans leur média mainstream. On va le recadrer. Dire comment ils ne respectent pas les us et les coutumes diplomatiques. Comment ils sont, comment ils ne sont pas. Mais c'est jusqu'où est-ce que nous allons aller? Mais ce bambin. Mais trêve de moquerie, quand même. Merci, Edmond Kouyaté. Messieurs, pendant ce temps, je vais quand même dire aux uns aux autres que nous ne sommes plus sur Facebook depuis ce matin déjà. On nous a censurés dès le départ. Heureusement, quand même, qu'il y a une autopage qui nous a pris. Il faut le dire ainsi. Pendant ce temps, on nous parle quand même de démocratie et de liberté d'expression du côté de la France avec Emmanuel Macron. Messieurs, permettez-moi de lire d'ailleurs le communiqué qui va suspendre RFI et surtout France 24 du Mali. Communiqué numéro 23, numéro 023 du gouvernement de la transition. Nous sommes la République du Mali, un peuple, un but, une foi. Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une profonde consternation de fausses allégations faisant état d'exactions commises par les forces armées maliennes, les FAMA, contre des civils, de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces fausses allégations, sans aucun fondement, ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Madame Bachelet, Michel Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le 8 mars 2022. 2. Un rapport de Human Rights Watch le 15 mars 2022. Et 3. Un reportage de la Radio France Internationale le 14 et 15 mars 2022. En considérant la synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes FAMA. Pire, certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autre objectif que de semer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali, et dévoile l'intention criminelle de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali il y a plus d'un an. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA. 2. Engage une procédure conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et FM et de la télévision France 24 ainsi que de toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Je continue d'ailleurs, messieurs.
Par la même occasion, le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et de France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et aux rôles tristement célèbre de la radio Mille Collines dans un événement frappé, tragique, survenu en Afrique. On parle bien sûr du Rwanda. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple Anovayante Fama qui respecte les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violation de droits de l'homme et du droit international humanitaire impliquant des éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquêtes impartiales et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Eh bien, le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilant, à faire preuve de discernement et à soutenir les autorités de transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali, c'est signé d'ailleurs par à Bamako le 16 mars 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. On peut également oublier d'Atola ici qu'au cours de cette semaine toujours, cette semaine qui vient de se dérouler, les mêmes faits se sont déroulés du côté de la Centrafrique où, il faut le préciser également, là-bas on a également pris des décisions. Finalement, RFI France 24, c'est des chevals de Troie ou alors finalement c'est le bras armé de la France sur le continent africain? Je veux faire les efforts d'être un peu calme ce matin. Même si la thématique révolte, je parle du prétexte de cette thématique est révoltant. Je peux faire les efforts d'être calme. Lorsque j'écoute le narratif du Jupitérien, oui, j'ai envie de dire aux Africains de lancer une fatwa contre les médias français. De lancer une fatwa contre le représentant de Paris sur le continent africain. Parce que c'est de l'irrespect. Et je pense que les Africains doivent absolument prendre leurs responsabilités à un moment donné. Je pense que la mesure des Maliens n'a pas été assez forte. Il fallait non pas seulement suspendre ces médias-là, il fallait également retirer leurs accréditations aux représentants de RFI de ce côté-là. Je parle du correspondant de RFI de ce côté et des autres. Il fallait loin et bannir encore, c'est parce qu'il paraît que la procédure de bannissement sur les réseaux sociaux est encore, n'était pas encore effective jusqu'à, je crois, dimanche, c'est-à-dire hier. Et il n'y a pas que RFI et France 24 et les autres. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit ni plus ni moins que des médias. Non, il s'agit de la presse coloniale, voilà. C'est de la presse coloniale. Oui. Ces médias, c'est de la presse coloniale, il faut le dire comme ça. J'ai eu à vous dire, et je parle en tant que journaliste parce qu'il sait de quoi je parle. J'ai eu à vous dire que les informations, d'ailleurs, Edmond l'a indiqué, les informations qui sont arrosées, qui arrosent justement le continent africain, par ces médias ne sont pas les mêmes informations qui sont de ce côté-là. C'est pas la même chose. Je voudrais également dire à l'endroit des... Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les confrères. Mais quand vous avez des confrères qui refusent de lire, de se rappeler l'histoire du continent africain, des rapports du continent africain avec les autres peuples, j'ai envie de leur dire, c'est de la racaille journalistique, c'est là. Parce que vous avez... La racaille journalistique. C'est de la racaille journalistique. J'assume ce que je dis. Vous avez des associations de journalistes, je crois au Sénégal, et ailleurs, je crois en Côte d'Ivoire, qui ont condamné les autorités maliennes. J'ai dit, c'est de la racaille. C'est là.
Il dit j'ai beaucoup de respect pour les confrères, mais là c'est de la racaille. Deuxième élément d'analyse que je voudrais mettre sur la table, à la suite de Parfendom, je voudrais ajouter que même l'ONU s'en est mêlé. L'ONU. L'ONU s'en est mêlé. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est-à-dire la meute habituelle s'en est mêlée. Il n'y a pas de souveraineté en Ukraine dans la suspension des médias russes, mais on dénie le principe de souveraineté aux Maliens. Mais je voudrais quand même rappeler à M. Macron que c'est un menteur. Il usurpe, n'est-ce pas, la volonté des peuples maliens. Il usurpe. Je voudrais quand même vous rappeler que avant la suspension, je ne dis pas du bannissement, c'est le terme qu'il faut. C'est le bannissement. Avant le bannissement justement de ces médias-là, il y a quand même le collectif de défense des militaires qui a demandé la suspension de ces affaires, de ces choses-là, ces médias-là. Il n'y a pas de violation de la liberté de la presse qui vaille lorsque vous avez affaire des médias mercenaires et des journalistes mercenaires. Parce qu'il veut s'appuyer sur le principe de la violation des libertés de la presse. Il n'y a pas de liberté de la violation de la presse. Il n'y a pas de violation de la liberté de la presse, de ce point de vue. Et dans ce contexte-là. Mais pour, si M. Macron tient tant à la liberté, et principalement la liberté de la presse, mais pourquoi est-ce qu'il a banni les médias russes sur l'espace européen? Il paraît que la liberté est à géométrie variable. C'est ça? Donc. Troisième élément que je voudrais mettre sur la table, c'est quoi? C'est que ces médias émettent en bande FM, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il est important que les Africains qui aiment le pays bannissent ces médias-là du continent africain. Je suis journaliste, j'ai été correspondant des médias français. J'ai l'habitude de vous le dire. Entre 2000 et 2002. Lorsqu'ils ont voulu m'imposer une ligne éditoriale, j'ai dit non. J'ai refusé. J'ai rompu le contrat. J'ai pris mes responsabilités. Je ne peux pas accepter une orientation éditoriale au nom des, pour des raisons alimentaires du tout. Mais pourquoi est-ce que ces médias ne parlent que ne dépeignent que le mauvais côté du continent africain, des États africains. Ces médias ne parlent que... Lorsqu'ils parlent de l'information de l'actualité africaine, quand ce ne sont pas les coups d'État, ce sont les conflits armés, la guerre, la corruption, la famine, la pauvreté, famine, la misère. C'est les biens mal acquis. Mais ils ne vous diront jamais que, n'est-ce pas, il y a des choses aussi très importantes qui se passent sur le continent africain, jamais. C'est un choix éditorial. Et c'est fait à dessein. Lorsque vous avez affaire à des médias mercenaires, il faut les bannir. Steven Goss. Il faut les bannir. Il y a, je dis bien, je parle en tant que journaliste. Je sais de quoi je parle. Lorsque vous avez des médias qui peuvent vous créer des conflits, qui peuvent vous déstabiliser un État, un continent, ce ne sont pas des médias, ce sont des mercenaires. Je ne sais pas si vous pouvez mettre au même niveau les questions de sûreté et de sécurité de l'État et les opposer au principe de liberté de la presse. Je pense que les questions de sûreté, de sécurité, c'est-à-dire de souveraineté nationale, l'emportent sur la liberté de la presse, M. Tsingos. Donc, que M. Macron ne parle pas... que ces petits merdeux, voilà, qui ne parlent pas des choses qui énervent, qui ne parlent pas des concepts qui n'appliquent pas chez eux. Il s'agit des concepts. Lorsqu'il vous parle de liberté, de souveraineté, désormais c'est leur narratif, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, il s'agit des concepts qui n'appliquent pas chez eux, mais qui veulent appliquer chez eux. N'est-ce pas? Mais vous savez, ils n'ont même pas la décence intellectuelle, ils n'ont pas la décence mentale. Je sais que c'est une horde de malades mentaux. Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas la décence. Je crois qu'ils sont tous frappés d'hérésie. C'est en quelques jours, après quelques jours, après la suspension, oui, n'est-ce pas, de RT, RT, Postcutting et Sputnik. Mais il a l'arrogance de donner des leçons
de déontologie, de respect de ceci aux Maliens. Mais il prend, il usurpe justement la volonté populaire malienne. Mais il faut quand même lui rappeler que justement les Maliens ont commencé à le faire, à dénoncer justement ces médias depuis. Au même titre que le Tigré l'a fait. Mais est-ce que le Tigré... Mais avant le Tigré, l'Algérie. L'Algérie a banni RFI. France 24. Pourquoi ils n'ont pas fait tout un tintamarre comme ils le font du côté du Mali? Parce qu'ils ne peuvent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des collaborateurs, des mercenaires qui s'alignent derrière les condamnations à géométrie variable de l'Union européenne, de Macron et les autres, ce n'est pas une surprise. Vous savez, vous avez un combattant, Che Guevara, qui disait, lorsque vous voulez libérer votre peuple, lorsque vous voulez libérer votre peuple, mettez dans votre main 10 balles. 9 pour les ennemis de l'intérieur, 1 pour les ennemis de l'extérieur. Justement, pour les ennemis, parce que l'ennemi de l'extérieur ne peut commettre des forfaits qu'avec la complicité des ennemis de l'intérieur. Et l'Afrique en a plein d'ennemis de l'intérieur. Et je crois qu'il est important que les Africains qui sont soucieux de l'avenir de l'Afrique prennent leurs responsabilités. À un moment donné, commencent à régler les comptes aux ennemis de l'intérieur. De manière froide. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez dans notre visage, vous voyez, tout à l'heure, dans mon coup de gueule, je vous répercutais justement le narratif de celle qui officie comme ambassadeur des États-Unis. Aux Nations Unies, oui. Mais il faut que j'ai l'impression que quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'elle pense que tous les Noirs sont amnésiques. Mais quels sont les rapports des Noirs avec les États-Unis? Prenons le cas des Noirs qui sont sur leur territoire. Quels sont leurs rapports avec l'ordre régnant et gouvernant? Quels sont leurs rapports? Je reviens, je termine pour ce premier jet. J'ai vu la presse européenne, la presse, surtout la presse française, j'ai vu le traitement que cette presse-là a réservé à la suspension au bannissement, n'est-ce pas, de oui. RFI, de France 24. C'est-à-dire, le champ lexical est le même. La junte a fait ceci, la junte a fait cela. Il faut prendre leur journaux. C'est le même système, oui. C'est le même champ lexical. Nous avons le sentiment que on leur a refourgué, n'est-ce pas, une copie qu'il fallait juste rendre publique. Donc, vous traitez, vous avez affaire à un junte, n'est-ce pas, mais vous traitez des affaires avec une junte. Il est important quand même que les autorités maliennes continuent à nous envoyer des bonnes nouvelles, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait une procédure qui avait été engagée contre Yves Le Truand, Jean-Yves Le Truand, par rapport au contrat de production des passeports. Il est important qu'il soit poursuivi, parce que vous insultez un gouvernement, mais vous traitez des affaires avec eux. C'est lui qui a obtenu le contrat pour son fils, Jean-Yves Le Drian, qui a refusé à son fils Thomas Le Drian. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc je pense que vous ne pouvez pas traiter avec un gouvernement de papa m'a dit. Et vous l'insultez. Et quand on s'énerve, vous avez un locoderme d'ambassadeur de France au Cameroun qui estime qu'on insulte son chef d'État. Mais qu'est-ce que son chef d'État a envie de faire? Parce que le fait qu'il insulte, mais c'est une idée de l'insulte. C'est le mépris. C'est de l'insulte. Dire qu'il va appeler Nana Akufo-Addo, le même narratif que j'ai eu à entendre il y a 2 ans, il disait qu'il va appeler Paul Biya pour résoudre les problèmes du Cameroun. Ça veut dire. Mais c'est du mépris, ça. Mais là, personne n'en parle. Personne. Donc je pense que pour terminer, si je veux dire que je vais faire les efforts d'être calme.
Parce que demain, nous aurons une intervention un peu plus compliquée. Nous aurons justement son cas sur la table demain, Albert Anatole. Ici, ne vous inquiétez surtout pas, demain viendra avec son lot de problèmes. Pour l'heure, nous terminons avec notre problème ce matin. Je vais me tourner vers vous, hein, Simone D, ce matin. Finalement, la France est toujours le roi ou encore la reine sur le continent africain. Parce qu'on a écouté Emmanuel Macron tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons également écouter notre élément. Il déclare que les Maliens qu'il connaît de bonne foi veulent des hommes démocratiquement élus qu'ils méritent. Donc, Emmanuel Macron connaît les autorités que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Monsieur Jocelyn, je suis très heureux de constater que tant souvent, vous avez une calebasse d'eau sur la tête. Quand elle se casse, il faut emprunter pour se laver. Je dis, vous avez une calebasse d'eau sur la tête, elle se casse, il faut en profiter pour se laver. Je pense que si l'Afrique ne profite pas de cette occasion que la Russie leur donne pour se libérer, je ne sais pas si un jour on va se libérer. Parce que quand j'écoute un monsieur qu'on appelle Macron, qui s'adresse à un chef d'État africain, on l'a décrit, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est une honte. Et même pas le chef d'État, même pas l'Union africaine, même pas la CEDEAO, personne n'ose s'élever pour protester. Et je comprends que quand vous avez votre enfant, vous l'envoyez en formation chez votre ennemi, l'enfant ne viendra pas pour vous rendre service. C'est tout à fait logique. C'est la voix de son maître. Il ne peut pas faire autrement. Il est tenu dans les loges, dans les secs, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Et je vous rappelle que la plupart de ces pays sont encore dans le système français CFA. Et chaque année, ces valeureux idiots qu'on a placés, excusez-moi l'expression, à la tête de certains États, dans certains qui sont souvent des premiers ministres, ce sont des gens qui, chaque année, chaque mois, la France leur donne le franc CFA, un paquet dans un compte. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est malheureux. Avec ça, vous pensez qu'on va s'en sortir? Et quand, au-delà de ça, le système éducatif est purement occidental français. Quand vous voyez, vous allez à Yaoundé, c'est l'ENAM. Vous allez ailleurs, c'est l'ENA. L'ENA, tout ça là, la même chose. Vous voyez la configuration des gouvernements africains. C'est le même schéma. Non. Vous voulez qu'on s'en sorte avec ça? Vous avez une langue qu'on emploie avec arrogance. On est tellement heureux, très content. Bien parler français. De parler français. Je parle très bien français. Un français châtié. Ouais. Vous voulez qu'on fasse comment? De vous à moi. Vraiment. Je suis. Quand j'écoute ça, quand j'écoute un monsieur comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment expliquer aux Africains qui comprennent qu'il faut mettre un terme? Je passe tout mon temps sur les plateaux de télévision à dire boycotter tous les produits français. Canal Plus, c'est quoi? C'est quoi Canal Plus? Je voudrais qu'on m'explique ce que c'est que Canal Plus. On est obligé. Edmond Kouyaté vient de démontrer comment on utilise Canal Plus dans le sport, dans toute la culture. Ndom l'a dit. Une femme est devant la télévision. Elle s'exclame. Elle est très heureuse de voir vos histoires de. Comment vous appelez les films? Je ne connais pas vos noms de. Novelas. Je ne connais pas vous. Pour vous dire vrai, je ne connais pas le nom des télévisions françaises parce que je ne voudrais même pas connaître si ça existe. Je n'en écoute même pas. Parce que je dis encore une fois, il faut boycotter ces histoires-là. Il faut tout. Même vos histoires où on va dans les carrefours pour acheter les choses. Les produits, les denrées périmées qu'on vous introduit dans tous les pays africains. On est heureux de tenir comment vous appelez, des machines de poussette pour aller sur les rayons, prendre des conneries, mettre là-dedans. Le caddie. Caddie, ça va être même. Carrefour en France a retiré de ses rayons tous les produits en provenance de la Russie. Carrefour. Vous comprenez? Avec ça, on inonde l'Afrique avec des produits stupides, bêtes. Et pourtant, on a des produits de valeur. On les laisse pour aller dans Carrefour, prendre des produits périmés où on a changé les dates d'opération. Je voudrais que les Africains se réveillent. Bon sens. Qu'est-ce qu'on a mis dans nos têtes? C'est le beurre à la place des cerveaux? Moi, je veux qu'on m'explique comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On parle de satellite. Le satellite, ça coûte quoi? Je dis, si rien qu'à Douala, on a 1000 abonnés, 1 million d'abonnés qui payent 5000 francs le mois. 5000 francs le mois. Vous avez fait des calculs, monsieur Pou. Je vous ai dit que ça m'a donné des tournis. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tenir. Je préférais arrêter. C'est inimaginable. Et on a des gouvernements en Afrique qui
qui sont là. Non, ça ne leur pose aucun problème. C'est normal, c'est logique. Et quand vous allez parler, on va dire, oh, ce sont des rebelles, ils vont prendre les armes, ils vont changer, ils vont... Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Je pense encore une fois, il faut qu'on fasse des efforts. Parce que les gens qui boivent l'eau du puits doivent penser à ceux qui l'ont creusé. Les gens qui boivent l'eau du puits, là, ils doivent penser à ceux qui l'ont creusé. Oui. Souvent, ils ne les connaissent même pas. Parce que nous sommes les creuseurs de puits. En buvant, ils pensent à ceux qui sont en train de creuser ce puits, qui maintiennent ce puits. Parce que c'est grâce à des télévisions comme DBS que les consciences sont en train de s'éveiller. Et c'est lui aussi de remercier sincèrement les deux pays phares d'Afrique, la Centrafrique et le Mali, qui ont éveillé les consciences, qui ont mis en place une pratique, de sorte que si au moins quelques 5 ou 6 pays se mettent dans cette bataille-là, je pense qu'on va se réveiller un matin en se libérant totalement de cette merde de France qu'on a eu la malchance de rencontrer sur notre chemin. Ceci dit, monsieur Gosse, j'ai l'impression que les Africains payent de l'argent pour être abrutis. Parce que tous les mois, on donne l'argent à Canal+. Pour s'abrutir. Pour devenir de plus en plus idiots. Voilà par exemple un championnat au Cameroun. C'est la première fois. Excusez-moi, c'est la première fois. Je reviens toujours sur cette histoire. Parce que ça me tient à cœur. C'est la première fois que je vois un championnat, un début de championnat aussi bien organisé. Et entouré de quelque chose. Si vous avez vu la télé, les spectateurs sur les stades hier. Les stades étaient pleins. Hein. Pleins. Mais c'est la première fois, je suis désolé. N'en déplaise. Battons-nous contre un système, nous nous battons pas contre des êtres humains. C'est inadmissible. Je ne comprends pas ce continent où, au lieu de se battre contre un système, on se bat contre. Quelqu'un est là, il n'a pas encore déployé son projet. C'est la lutte, on prend les armes, on trouve tous les noms d'oiseaux pour lui coller. Je dis encore une fois, si on s'organise, si on oublie les histoires de tribus entre pays africains, je pense que l'Afrique va se réveiller. Et si on réussit à appliquer la langue panafricaine, le swahili, qu'on a décidé, même si ce sont les occidentaux qui ont décidé, si on le prend à notre intérêt, je pense que l'Afrique va se réveiller. On ne va plus parler de ces histoires de français, anglais, tout ça. On n'en a rien à foutre. Et je dis encore une fois, c'est malheureux que dans nos pays encore, il y ait des rues qui portent le nom de nos bourreaux. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Et personne ne dit rien. Ça ne dit rien à personne. Les De Gaulle, les Leclerc, les machins. Rue Fauche. Rue Fauche. Rue Gallieni. Non, tout ça là, ça ne dit rien à des maires qui prétendent qu'ils ont été élus. Hein. Des criminels. Des criminels. Qui prétendent avoir été élus par un peuple. Ils ne peuvent même pas revendiquer au nom de ce peuple. Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de ces zozos? Je suis désolé. Non, quand je le dis, j'ai envie de pleurer. C'est une honte. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui... Vous êtes en prison, celui qui vous donne un bout de pain, et c'est vous, celui qui vous donne la clé de la prison pour vous libérer, vous préférez prendre le pain et rester en prison. C'est quoi cette histoire? Non. Bon, c'est vraiment, permettez-moi d'arrêter, sinon je vais dire des choses. C'est votre nom le plus absolu, hein, Simon, dès ce matin. Et pendant ce temps, patient parfum d'homme, on sait, la France aime la censure. Déjà, depuis que on va le dire comme ça, cette crise en Ukraine a démarré, la France a pris de nombreuses décisions. Carrefour, vous l'avez dit tout à l'heure, a retiré tous les produits venant de la Russie. On a éliminé justement Russia Today du côté de la France, Sputnik et tout ce qui va avec. Mais pendant ce temps, quand c'est le cas sur le continent africain, apparemment, c'est mal fait. Il ne faudrait pas. Nous ne sommes pas libres, finalement. Je vous dis que Koundé Issegui, je reprends. Koundé Issegui, il faut le dire aux Africains. C'est-à-dire que les indépendances qui ont été octroyées, c'est ça qu'il faut, c'est la vérité. Oui. En 60, là, ce sont des indépendances factices. Il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on ait encore la bagarre pour arracher cette indépendance. Quand je vous parle de la question de consensus historique ici, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Parce que, et vous allez vous rendre compte que Macron ne peut tenir ce type de discours envers un chef d'État que dans ce qu'on appelle le précaré français en Afrique. Est-ce que vous pouvez voir Macron comme ça parler même au président mexicain? On devait faire un rempart, les Mexiques auraient exigé des excuses ipso facto. Tout de suite. Même la conférence des États de l'Amérique latine aurait exigé des excuses. Oui.
Est-ce que Macron peut parler comme ça à l'Indonésie? Bien, l'Algérie. Même à l'Algérie, ils ne peuvent pas. Ils ont fêté le 60e anniversaire des accords de Vienne dernièrement. Il fallait le voir comment ils étaient comme des... Aucun Algérien représenté. Oui, aucun, évidemment. C'est parce que c'est pour les besoins électoraux. Voilà. Ils veulent s'attirer un peu le vote des Maghrébins. Tout le monde comprend très bien le petit jeu de ces gens-là. Mais revenons un peu à cette affaire de Canal Plus Horizon. Ça dit que notre bourgeoisie, elle me dépasse. Non, elle ne nous soutient pas. Il y a des gens qui souffrent. On ne peut pas se soigner convenablement, on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école. Elle ne nous soutient pas. Mais passons. Mais elle me dépasse. Qu'est-ce que ça coûte à la bourgeoisie camerounaise, je ne parle même pas à l'Afrique, de se mettre ensemble à deux ou trois et de créer un truc qui est pareil à Canal Plus. Pendant Canal Plus Horizon, c'est un gros câbleau opérateur. Comme le petit câbleau opérateur de quartier. C'est tout. C'est un gros câbleau opérateur. Ça ne coûte absolument rien. Et donne la possibilité à la télévision, comme dit BS, de produire des émissions qu'eux, ils vont acheter. C'est tout. Le groupe Canal, c'est quoi? Et on oublie qui est le propriétaire du groupe Canal aujourd'hui. On fait semblant. C'est tonton Bolloré. Quand je dis tonton, vous comprenez, dans mon sens, c'est que mon tonton, c'est fini. C'est tonton Bolloré. Et les Camerounais sont là. Ils disent que non, c'est parce qu'il y a des productions qu'on fait ici localement, comme la dernière production de Mutumba, c'est quoi, ma famille, quoi, ça un nom là, qui était une bonne production à succès. Mais les Camerounais peuvent aussi créer un truc comme ça et demander, n'est-ce pas, justement, à des jeunes entrepreneurs culturels de produire, n'est-ce pas? Monsieur, madame. Ah, monsieur, madame, ok. Ça semble que les femmes ont beaucoup aimé. Bon. Oui. Alors, de produire de pareilles émissions et de les acheter. Pour leur montrer, et on crée des connexions africaines où on peut prendre des productions en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et pourquoi prendre notre génie, aller encore le vendre comme on vendrait notre force de travail aux Blancs? Pourquoi on recommence encore des centaines d'années après? Et que notre bourgeoisie, vraiment, excusez-moi, mais elle me pose un problème. Là où il faut enfoncer le clou pour ne plus être dépendant des autres, pour commencer à créer justement un réveil culturel de notre côté, il n'y a plus. Moi, quand une bourgeoisie fabriquée par exemple par la France. Elle est, oui, elle peut être comprador. J'ai dit qu'ils ont des intérêts. Ils ont d'accord. Des intérêts. On peut comprendre. Donc, oui. Donc il y a ça. Il y a aussi la question de la volonté politique tout à l'heure. Le jeune était ici, il a dit beaucoup de très bonnes choses avant notre débat. Mais papa, il faut commencer par l'unité politique de notre continent, sinon tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas dire là, ça va faire shit. Il y a des propositions, les propositions du groupe de travail Kagame. Elles sont où? C'est où? Il y a eu des propositions, hein? Mais s'il n'y a pas de volonté politique pour aller de l'avant, tu ne peux rien faire. Toutes tes bonnes propositions vont être comme le projet de ce monsieur qui faisait l'environnement. Comment il s'appelle? Tchekem. Il a fait des bonnes propositions. On s'est assis dessus, on a pris l'argent, on a donné à des copains et à des coquins. Terminé. Ça va être ton projet? Le projet de ce jeune-là. Tout à fait. C'est ça l'administration que nous avons. C'est ça le système que nous avons. Quand on dit un combat de système, les gens font semblant de ne pas comprendre. Ce système-là, il est corrompu jusqu'à la moelle. Il ne veut pas de l'émergence, n'est-ce pas, du génie africain, tout court. C'est ça qui fait que tout le monde est caché. Depuis que Macron tense le président malien, aucune voix en Afrique. Ne se lève pour dire à Macron, mais arrête quand même, c'est quoi ton jeu là? Tu es qui? Madame Hillary Clinton est arrivée en pleine salle, dans cette salle maudite là, en Éthiopie, Addis Abeba, l'Union africaine, pour dire aux chefs d'État africains, laissez tomber Kadhafi, nous on veut le tuer. Pas la moindre petite protestation. Mais vous avez vu, quand M. Bush a tenté de revenir en Irak, qu'il avait complètement défiguré, balafré, pour faire une conférence, un journaliste a eu le culot d'enlever sa chaussure et de lui balancer au visage. Vous savez, chez les Arabes, quand on te fout une chaussure à la gueule, c'est le plus grand des mépris. Il a eu le courage de le faire. Mais si nos chefs d'État étaient comme ça, comme le tuto, après on a commencé à dire que non, c'est Jean Ping, il a été quoi? Nos chefs d'État étaient dans la salle quand Mme Clinton décidait en mondial vision qu'elle va assassiner Kadhafi. Ils ont dit quoi? Rien. C'est toujours parce qu'on a peur de la mort. Qui ne va pas mourir si un jour? Vous êtes donc chef d'État, pourquoi? Vous décidez au nom des Africains, pourquoi? Si vous avez peur de la mort. Non, ce n'est pas possible. On côtoie la mort chaque jour. Si nous voulons aller de l'avant,
Il faut avoir le courage à un moment donné de dire non. C'est pour ça que je vous dis que sur notre continent, il n'y a plus de voix fortes. Les voix fortes comme les Kwame Kuma nous manquent. Les Lumumba nous manquent. Les Sankara manquent. Les Oumyobé manquent. Les Moumiens manquent. Les Agostino Neto nous manquent. Namika Cabral nous manque. Il nous faut ces forces-là. Il nous faut ces voies-là. Et ne seront possibles que quand les Assimi Goïta vont être dupliqués à travers le continent. Quand les Touadéra seront dupliqués à travers le continent. Nous arrivons maintenant à ce que j'appelle le food power. Oh, le blé est en train de flamber à cause de la guerre de l'Ukraine. Bon, oh, le prix de pain Mais depuis des Camerounais ont fait des études. Ils ont démontré qu'on peut faire de la farine à partir de la patate douce. Nous, on le fait déjà. Après, et faire du pain avec qui est très comestible, qui est très bon. Mais qui va dans ce sens? Parce qu'il y a l'effet de la mode. L'effet de la mode, c'est que quand si Jocelyne Gousse est habillé comme ça, annonce rien. Bon, excusez-moi, ils vont dire, Ndoumé a une belle veste, non? Mais Timo peut avoir un couturier de quartier qui sait faire la couture et me coudre cette belle veste. La belle veste n'est pas, comment dire ça? Ce n'est pas de... La marque. Oui, oui, mais ce n'est pas quelque chose d'exclusif pour eux. Tout le monde peut faire la veste. Je me sens te couper. Je vous promets que je vais venir avec le pain de patate, le pain de manioc, le pain de plantain ici à la prochaine émission. Vous allez goûter pour voir ce que c'est. Voilà. Donc, les solutions existent. Bien sûr. Maintenant, c'est des solutions politiques qui tardent. Parce que pour faire ce pain-là, il faut se lancer dans un truc. Il faut refonder l'agriculture camerounaise. Faire est-ce qu'on soit capable de produire massivement pour avoir assez de farine, de patates douces pour faire. Mais il y a encore mieux. On va jusqu'aux spaghettis. Hein. Bien sûr. J'ai vu des spaghettis made in Cameroun faits à base de, bien sûr, la farine de manioc. Mais il y a mieux, si je suis l'angos. J'ai découvert ça hier. Je suis dans le made in Africa. Il y a mieux, si je suis l'angos. On appelle ça Miondomini. Bien sûr. Le blé n'est pas une exclusivité occidentale. Le blé ne pousse pas qu'en Occident. Le blé pousse au Cameroun. On n'a pas besoin du blé. Le blé a le gluten. Je dis que arrêtons même le blé. Si c'est seulement une question de blé, même le blé pousse au Cameroun. Quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour réguler ça? Le riz. Le riz. La Tanzanie est devenue presque autosuffisante en matière de riz. Elle produit des quantités de riz qui font qu'elle n'importe presque plus de riz. Si on vous donne, si tu vous donne les chiffres de ce que le Cameroun dépense chaque année dans l'importation du riz. C'est trop. Mais c'est une catastrophe. C'est inadmissible. Et nous avons des gens qui siègent au GICAM, qui se font abusivement appeler hommes d'affaires. Des petits bams, c'est l'âme qui n'ont pour seule vocation que d'aller à la centrale d'achat de Genève, acheter des riz et venir gonfler. Mais nous sommes des hommes d'affaires. Le GICAM, c'est une succursale de la France. Mais bien sûr, le GICAM, c'est l'arrière-petit-fils. N'est-ce pas, du patronat français, tout le monde le sait. Et ils gonflent, ils disent qu'ils sont des hommes d'affaires. Hommes d'affaires de quoi? Quand vous êtes capable de créer un cercle vertueux qui va donner de l'emploi à votre jeunesse, qui va donner de la dignité à votre peuple, mais qui en réalité va nourrir le peuple. Je dis, toute la guerre qu'on voit là, les experts sont formels. La Russie peut vivre en autarcie pendant 2 ans. Bien sûr. La France ne peut pas rester pendant plus de 2 mois. Mais c'est parce qu'à la base, ils ont réglé un problème. Le problème de manger. Manger. Quand Mao a commencé la longue marche, il a pris le pouvoir finalement. Il a trouvé. Les gens ne le savent pas, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Les gens mouraient de famine en Chine. Hein. Des phénomènes qu'on avait en Éthiopie, là où c'était grave en Chine. Des millions de morts. Mao a dit, première chose, je jure que je vais donner un bol de riz à tous les Chinois. Chaque jour. Chaque jour que j'ai créé. 1 milliard 500 millions de personnes, il faut le faire. Hein. La Chine arrive à le faire. Chez nous, dans nos pays africains, le programme alimentaire mondial continue de nourrir des pans entiers de nos populations. Alors que nous avons des terres fertiles, nous avons des choses incroyables, mais nous avons des ministres qui volent des milliards, qu'on attrape à des frontières déguisées en femmes, avec des blackjack, des cartes bancaires, tout ce que vous avez pu imaginer, des milliards en poche, parce qu'ils veulent aller acheter une maison à Mayfair. Ils savent où nous servent donc à quoi? Donc ce coup de gueule par rapport à ces médias, je le dis, JBS vous a met souvent derrière nous, je crois à la fin de l'émission, ça va revenir. Notre compte bancaire, mettez de l'argent dedans pour soutenir la résistance africaine médiatique que nous constituons. Il faut aider les gens qui se battent, monsieur. Sinon, vous servez à quoi? J'ai même demandé au directeur de JBS de nous mettre aussi un compte Orange Money et MTN Momo Money. Il faut mettre l'argent là pour soutenir. Sinon, vous êtes complice du fait que, bon, il doit avoir le même son de cloche qui va continuer à travers le RFI et France 24. Des menteurs invétérés. Ils insultent nos chefs d'État. Tout le monde voit.
Monsieur l'ambassadeur ne réagit pas. Ils insultent nos populations. Monsieur l'ambassadeur ne réagit pas. Ils insultent nos mamans, nos femmes. Vous accouchez beaucoup. Vous faites cet enfant. Bon, nous sommes devenus comme des porcs, quoi. Nos femmes sont des porcs. C'est ce que ça signifie, non? Mais eux, là, avec le mauvais système culturel qu'ils ont, maintenant, vous avez quatre grands-parents qui ont un seul petit-fils. Et tu n'es pas sûr qu'ils le mènent bien. Ça peut être que c'est un tchélé. Bon, là, on ne parle pas. Aux femmes africaines, faites-nous des enfants. Faites des enfants. Dans cette guerre-là, en Russie, là, la Pologne a décidé de doubler l'effectif de son armée. 300 000 personnes. Parce qu'ils sentent que si tu n'as pas les bras, ce sont les hommes qui font la guerre, ce sont les hommes qui font la paix, ce sont les grands hommes qui nourrissent les gens. Faites-nous des enfants. L'Afrique est sous-peuplée. Si quelqu'un vous dit que l'Afrique est trop peuplée, c'est faux. Notre continent est sous-peuplé. Il faut seulement un peu de décision, volonté politique, mais organisation de notre continent. On va bien voir que mais on n'est pas nombreux. La Centrafrique, c'est plus grand que la France et la Belgique réunies. Ils ne sont pas 5 millions d'habitants. La France a, je crois, 70 millions d'habitants. 70 millions. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais au même moment, on vend toutes nos terres. C'est la bourgeoisie comprador. Leur dada maintenant, c'est d'aller acheter les villages des gens. Et de mettre des fins, ce que c'est pour eux. Il y aura des mouvements de santé ici bientôt. Ces questions-là doivent être réglées dans le fond. Si on ne le fait pas, je vous le dis, on va retourner à l'esclavage. Notre terre sera une terre où il y aura des esclaves. On va revenir avec des déchets nucléaires qu'on va enfoncer sur notre sol et notre sous-sol pour le pourrir. Parce que pour l'instant, c'est nous qui mangeons encore bio. C'est nous qui mangeons encore bio. C'est nous qui avons encore l'air. Naturel. Bon, merci. C'est nous qui avons encore l'air qui est un peu respirable. Allez là-bas chez moi en Ginkang. Quand vous êtes là-bas en Ginkang le matin, vous êtes bombardé d'oxygène. Chez eux, là, ce n'est plus vivable. Et le monde a changé totalement. Vous avez vu le premier ministre japonais aller voir. Le premier ministre indien lui dit, mais ce n'est pas possible. En fait, il avait été missionné. Il faut lâcher Poutine. Le gars là dit, mais tu crois que ça ne fonctionne plus bien dans ta tête. Le monde est devenu multipolaire. La preuve, moi, je viens de lui faire une commande énorme. En fourniture, en pétrole. C'est comme ça que le monde marche. Chaque peuple se bat pour ses intérêts. L'école. Tout à l'heure, on était dans les histoires d'école. Il faut refonder l'école totalement. Je vous ai dit que l'école, là, j'ai commencé par la craie, si je suis un gosse, avant d'abandonner l'école, là, elle ne peut produire qu'une société de gens qui sont dépendants. Cette école-là, il faut la refonder totalement. J'ai entendu votre jeune vous dire qu'il faut avoir le bac pour ouvrir une école primaire. Mais pourquoi l'État ne s'occupe même pas totalement de l'enseignement primaire? Est-ce que c'est compliqué? C'est quoi ces histoires, ces écoles qui pullulent de gauche à droite là? Les gens ont fait leur maison, ils ont mis des locataires là-dedans, les locataires ne payent plus. Un matin, ils mettent les locataires dehors, ils disent que c'est devenu une école. Les chambres à coucher deviennent des salles de classe. Tout le monde le voit dans nos villes. Regardez nos universités. Les gens crient, ils créent même des facultés de médecine, des universités qui forment des médecins. Mais c'est accolé à aucun hôpital, même pas un dispensaire. Les jeunes là, ils vont se former comment? Quand on va parler de squelette humain, ils vont dire que c'est où, c'est quoi? Vous revenez encore avec les mêmes trucs quand on disait que la liqueur de Féline. Tu dis ça dans les livres, tu n'as jamais vu la liqueur de Féline de tes yeux, c'est ça? Regardez ce que fait la Russie. C'est vous montrer que quand les gens sont conscients et refont l'école, ils sont capables de faire les miracles. Les âmes hypersoniques dont on vous parle, vous croyez que c'est quoi? C'est l'école. Ils ont décidé de domestiquer la science, de prendre de l'avance. De mieux s'organiser pour mieux manger, mieux se défendre, mieux soigner ses populations et leur donner un cadre de vie meilleur. C'est ça des gens qui aiment leur pays. Ici, chez nous, pour aller au Gabon, c'est tout un problème. Mais chez eux, les Américains, là, tu peux partir de la côte est, c'est-à-dire de New York, jusqu'en Californie en voiture, en te baladant comme ça, en sifflotant. Chez nous, pour aller ici à côté au Gabon, oh là 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 là, c'est la croix, la bannière. Où sont les routes? Où sont les chemins de fer? C'est quoi encore ces faux visas qui ne servent absolument à rien? Si on voulait ça passer d'ailleurs. Sur notre continent, c'est quoi cette histoire? Et on dit oui, on a des gens qui pensent du Nord-Africain, de l'intégration africaine. Quelle intégration africaine? Pour faire quoi? C'est quoi cette histoire? Donc, je pense que l'émission d'aujourd'hui, à travers cette affaire-là, il faut faire ce coup de gueule pour dire à nos gens, c'est que vous réveillez-vous.
Ne pensez que pas que vous êtes à l'abri. On a commencé avec le Covid. Vous avez vu ce que le Covid vous a choué, comme on dit chez nous au quartier. Ça vous a choué le peuple, tout le monde a vu, non? Personne ne peut plus prendre l'avion pour aller se soigner en France. Là maintenant, regardez le sort qui est réservé aux oligarques russes là. Ils sont considérés comme des pestiférés. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de s'aligner sur la position de ces mondialistes. Vous les appelez souvent comment les reptiliens. Bon, je n'ai pas utilisé ces mots, mais ils ne sont pas loin de là. Pour ce que nous voyons depuis un certain temps. Jupitérien. Vous dites, cette femme-là, cette femme noire, faut dire noire, qui est ambassadrice. Linda machin. Je n'aime pas retenir les noms parce que ils ne retiennent pas les miens. Thomas Greenfield. Bon, Thomas Greenfield, bon, c'est bien. Les Noirs se sont battus pour les droits civiques aux États-Unis. Finalement, qui a ramassé la mise dans l'affaire? Ce sont les gays, ce sont les lesbiennes dont on protège les droits. Tu ne peux pas t'attaquer aux lesbiennes dans ce pays-là, c'est la prison. Mais on peut tuer un noir allègrement, on va trouver des circonstances atténuantes aux policiers tueurs. On a criminalisé la vie des Noirs aux États-Unis. C'est-à-dire criminalisé. Et vous savez, aux États-Unis, quand vous faites la prison, attention, vous ne pouvez pas trouver un emploi, hein, ni dans la fonction publique, ni dans le privé. Vous devenez quoi? Gardien. Un rejet de la société. Donc, faites attention. Les Noirs se sont battus, les Martin Luther King. Machin dit que oui, vraiment, lui, on aime qu'il n'est pas comme Malcolm X. Lui, il est doux. Ils l'ont tué quand même. Ils ont tué Malcolm X. Fin de process, les Noirs n'ont pas bénéficié des droits civiques pour lesquels ils se sont sacrifiés. Mais, on colle quoi? Oui, et comme les Noirs et les gays. Mais maintenant, dans la pratique, c'est les gays dont les droits sont protégés. Les Noirs, non. Quel est ce pays? Oui, la femme est un égard de l'homme. Elle est gender balance. Il raconte des conneries comme ça. Gender balance. Est-ce que toi, même nous, entre nous, les hommes, toi, mais est-ce que nous sommes égaux? Du tout. Pour que l'homme soit l'égal de la femme. Mais est-ce qu'en Afrique, on ne respecte pas les femmes? Toi, tu ne respectes pas ta mère? Tu ne respectes pas ta fille? Comment ils donnent l'impression que nos sociétés sont tellement arriérées que la femme était chosifiée? C'est faux. C'est eux qui ont des problèmes. Et les Mormons, ce n'est pas un Gambin. Hein? Du tout. Les Mormons, ce n'est pas en Gambie. Tu sais où se trouvent les Mormons. Oui. Donc même ça, la polygamie, là, ce sont des faux concepts. On met des contenus qu'on veut dans ces concepts-là. Ce qui est important, c'est de donner la possibilité à chacun de s'épanouir dans le milieu qu'il est. Surtout quand vous avez été gâté, doté d'autant de richesses que nous, les Africains, nous le sommes. Hier, j'ai fait un plateau, quelqu'un m'a fait une révélation et que j'ai commencé à prendre au sérieux. Si ça rame là-bas, comme on dit, ce qui va se passer, c'est que les gars vont fuir l'Europe pour Russie. Hein. Parce que si, par extraordinaire, Poutine décide de fermer la vanne de gaz, qu'est-ce qui va se passer en Europe? L'espoir que les gens vont accepter le mot de faim, de foi, ils vont partir là-bas pour Russie. Mais en venant ici, ça va être des nouveaux colons pour vous coloniser et tout prendre, si vous ne faites pas attention. Et vous allez vous rendre compte que, déjà, mais dans un pays comme le Gabon, on vous dit ministre des forêts. C'est un Anglais qui s'appelle Iwat, c'est-à-dire qui s'occupe de la forêt gabonaise. Les gens disent que non, le maire de ceci, c'est un Libanais qui est maire au Gabon. Et il gronde. Il tape même les Noirs. L'un des remplaçants d'Ali Bongo maintenant, vous savez que c'est un blanc, non? Mais c'est, nous sommes... Terminons. Nous devenons même quoi, finalement? Donc, c'est pour vous dire que dans cette affaire-là, il faut qu'on ait le courage de soutenir ceux qui ont le courage de saisir les taureaux par les cornes à leur vent. Assimi Goïta a raison. Toi, Dira a raison. On vient d'attraper un conteneur en Centrafrique. Des camions. Estampillé ONU. Avec plein de munitions de guerre à l'intérieur. C'est pour aller où? L'ONU, là, c'est même quoi, finalement? Donc, honnêtement, les Africains, réveillez-vous. Vous avez assez dormi. On vous a assez lobotomisé comme ça. On vous a cramé le cerveau. Réveillez-vous. Parce que le monde ne va pas attendre que vous vous réveillez. Le monde, lui, va à une vitesse éclair. Vous voyez les pays, comme les pays arabes du Moyen-Orient, qui refusent de prendre Biden au téléphone parce qu'ils ont compris que leur intérêt sur le plan de business se fait maintenant parce que le centre du monde s'est déplacé. Il est en Russie, il est en Chine, il est en Indonésie, il est avec d'autres pays. Réveillez-vous. Bravo à Macky Sall qui a su résister en refusant que le Sénégal vote dans la lignée de ce que voulait Paris et les autres. Mais les pressions qui sont abattues sur le pauvre Macky Sall, alors qu'il n'est même pas souvent en odeur de sainteté avec nous, c'est tout vous dire. Que vous tous là, tous les nègres de maison là, ils sont d'abord des nègres, il faut que le sachent. Le jour où quelqu'un va essayer de s'écarter de la ligne édictée, il va voir ce qui va l'arriver.
il verra ce que doit donner. C'est le cas de par exemple M. Ouattara, il croit qu'il a l'abri. Le juge, il va tenter. Il va voir ce qui va lui arriver. Donc je pense sincèrement que nos frères africains doivent se rendre compte d'une chose. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et cette liberté-là, on l'obtient au prix du sang et de la sueur. C'est quand c'est dur que les véritables conquêtes de la liberté sont inscrites dans du marbre. Ce n'est pas en le voyant. Ce n'est pas en jouant le larbin. N'est-ce pas? En jouant les petits. Oui, messieurs. Qu'on avance. On avance avec des risques pas possibles. Le ventre affamé. Mais étant fier et digne de dire, je me suis battu pour donner un avenir certain, un avenir honorable et digne aux générations futures. C'est ça le sens, n'est-ce pas, du combat que nous menons. Et il est dans la droite ligne de ce que nos valeureux prédécesseurs ont planté comme forme de résistance, comme pilier de résistance. Et c'est ça que la jeunesse doit suivre aujourd'hui, au lieu de continuer à regarder comme ça, à gare, des matchs de la Champions League. Marseille a fait ceci. Alors que nous aussi, Eto'o est venu nous montrer qu'on peut avoir une bonne organisation, avec de beaux stades. C'est mon fils, hein. Je n'aime pas beaucoup en parler parce que c'est mon fils. Et si vous comprenez comment je suis gêné, parce qu'on va dire, ah, comme d'habitude, le tribalisme, tout à l'heure, tu l'as dit. Tu peux parler, ton fils. Terminons, patient, parfait. C'est pour dire, Samuel Eto'o, va de l'avant, Amman, à sa man, je ne sais pas. N'aie pas peur. Va de l'avant. Nous qui sommes les fans de football, nous saurons te dire merci du moment venu. Organise un bon championnat. Et mon club Dynamo Agoué Raison, peuple. Dans bientôt, je compte te voir en première division. Merci beaucoup. Bien sûr, manteau également. Moi, je suis peuple. Que chacun prenne son club. Messieurs, plus que 15 de vous sortir de cette édition de Libé ce matin. Edmond Kouyaté pour bon nombre de, on va le dire, de grands Africains, jusqu'à preuve de contraire. Le bannissement de RFI de France 24 est un acte de salubrité publique du côté du Mali. Vous savez que j'accorde tout mon soutien aux autorités maliennes pour cet acte de courage. Et je me demande, je continue de me poser la question, qu'est-ce que les autres chefs d'État africains attendent pour lui emboîter le pas? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on tire de ces chaînes-là? On tire quoi de ces chaînes massives qui inondent, qui arrosent nos... Qu'est-ce qu'on tire de ces chaînes-là? Je vais vous poser une question, Steve. Allez-y. Vous savez comment en Afrique, on désigne un homme qui est correct, qui a une probité morale? On dit c'est un blanc. Vous savez, quand un homme veut vanter ses propres mérites en tant qu'un homme intègre, vous savez ce qu'il dit? Il dit je suis un blanc. Je suis un blanc. Vous voyez jusqu'où nous sommes allés? Non, ça dit quand... Alors que les blancs, c'est des malhonnêtes. Mais non. Les Africains ne se rendent pas compte. Ça dit que du filet, de la nasse dans laquelle ils sont rentrés. Quelqu'un veut te vanter les mérites, la probité morale de monsieur. Il dit non, celui-là, c'est pas vos affaires de Camerounais, là, hein, c'est un blanc. Celui-là, vraiment, c'est un blanc. Il n'est pas dans vos choses, là. Il n'est pas dans vos choses, là. Il est réglo, vraiment, lui, c'est un blanc. Vous voyez jusqu'où nous sommes arrivés? C'est là. Et je l'ai déjà dit, je le répète. La plus grosse erreur jamais commise et qui sera impardonnable en Afrique, c'est celle que nous avons faite après la colonisation. Je le dirai toujours, cette plus grosse erreur a été de croire que ceux qui nous ont soumis à l'esclavage pendant 400 ans, 500, à la colonisation pendant 100 ans, que ces bourreaux-là peuvent du jour au lendemain devenir notre messie, au point où nous pensions que notre salut viendra d'eux. Ça a été la plus grosse erreur. Ça a été le mauvais tournant et nous y sommes. Nous y demeurons. Comment pouvons-nous croire que ceux qui nous ont soumis à la vexation, à la truanderie, à toute forme d'exact, à la déshumanisation. C'est ça l'esclavage. Ceux-là qui nous ont retiré le caractériel humain,
pour faire de nous des choses, des marchandises, des choses marchandables, négociables, vendues des êtres humains à la criée. Parce que quand le bateau, quand le négrier arrivait, on versait les hommes. On commençait par, par les plus robustes et on commençait, on faisait, n'est-ce pas, la vente aux enchères. $500 et puis les gens négociaient. C'est comme ça qu'on vendait les gens. Peut-être les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas, comme des moutons. Les gens ne le savent pas. C'est comme ça qu'on nous vendait. Et puis quelqu'un regardait, il disait, non, celui-là, il a une tache à l'épaule, là. Mm-hmm. Il est un peu mou, je baissais $100. Mm-hmm. Non, l'autre, là, le pied n'est pas très... Ouais, ouais. Oui, bon, celui-là avait des yeux de hibou, là. je pense qu'il peut bien travailler dans mon champ. Voilà comment ces gens nous ont traités. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Ils ont vidé le continent de l'essentiel en substance de ces bras forts qui pouvaient construire le continent. Et du jour au lendemain, c'est à ces gens que nous avons confié notre destin. Ce sont ces bourreaux-là, ces tueurs, ces criminels que nous avons fait nos partenaires privilégiés. Quand vous entendez nos chefs d'État, « Oh, la France, c'est un partenaire historique !» Mon Dieu ! Partenaire historique de l'esclavage, de la colonisation. La colonisation, ça date il y a 60 ans. Hein. C'est terminé en 1960, là. Enfin, théoriquement. Théoriquement. Permettez-moi, Anatole. Théoriquement. Mais comme je l'ai toujours dit, ces gens n'ont jamais changé d'objectif. Ils ne changent que les méthodes. Ils les adoucissent un peu. Ça devient plus subtil. Mais les objectifs restent exactement les mêmes. Et du jour au lendemain, ces gens deviennent nos messies, au point où nous croyons que entre eux et nous, il y a un rapport d'amour, d'affection, de considération. Comment est-ce que nous y avons cru? Au point de dire, je mange comme un blanc, je m'habille comme un blanc, je suis correct comme un blanc. Mais écoutez, c'est normal. Lorsqu'on est arrosé par France 24, par RFI, par TV5, par France TF1, qui nous montrent, qui nous brandissent, qui nous mettent plein la vue des modèles de vie que nous voulons copier. Vous voyez, j'éduque mes enfants comme des blancs. Je n'égronde pas mes enfants et moi je tape pas. Chez moi, on tape. Le fouet n'existe pas. Voilà là où nous sommes égarés. Non, chez moi, j'éduque mes enfants comme des blancs. Hein. Oh, il n'y a pas de fouet chez moi. Hein. Non. Après, on a les enfants que nous avons là. Après, on a ce que nous avons. Même nos langues, dans nos maisons. Si vous êtes la même ethnie, si je suis Bafang, ma femme est Bafang, on ne parle pas le féfé chez moi. On ne parle que français ou anglais. Non, mais patient, il faut dire d'où ça vient. C'est grave. Dans les années 80, un enfant qui ne parlait pas français était un paria. On lui mettait une cloche là. Un enfant qui ne parlait pas, qui parlait sa langue vernaculaire, était un paria. Et le terme, c'était indigène. Les enfants de ce monsieur sont des indigènes. Ils s'expriment qu'en langue vernaculaire. Chez moi, tu sais, mes enfants s'expriment qu'en français. Mon Dieu. Godness. Mon Dieu. Voilà ce que les Africains sont devenus. Et à partir des années 80, 90 autant pour moi, on s'est laissé arroser par un tas de médias qui ont développé de nouvelles attitudes de vie à notre jeunesse, qui aujourd'hui est une jeunesse, disons-le tout simplement, égarée complètement, en perte d'identité culturelle, civilisationnelle, bref, qui ignore tout de nos valeurs. C'est normal qu'aujourd'hui, face aux grands défis mondiaux, que les jeunes Africains ne savent pas où est-ce qu'ils vont se positionner. Quel va être leur positionnement réel? Ils ne le savent pas. Ils vont se positionner par rapport à quel repère, par rapport à quel référentiel. Ils n'en ont pas. Leur référentiel, c'est la culture occidentale. Voilà le référentiel de la jeunesse africaine. C'est la culture occidentale. C'est l'occidentalisme à outrance. Il y a un adage qui dit, quand deux fauves se bagarrent, les proies disparaissent. Ça dit que quand le lion
Et la panthère se bagarre, les antilopes et les gazelles profitent pour s'évader. Mais en Afrique, quand deux fauves se bagarrent, vous voyez la gazelle qui va se cacher derrière le lion pour dire « La panthère, là, c'est un imbécile. » C'est ce que nous faisons en Afrique. Au lieu de dire bah, « Donc, ça veut dire que quelqu'un pouvait aussi bouffer le lion. » Et donc, je profite pour me positionner. Il dit « Non, vraiment, la panthère, là, c'est un imbécile. » Celui qui vient agresser le lion dans son territoire. Ah bon ? Après avoir fini la bagarre, le lion aura faim. Il va se tourner pour te bouffer. Est-ce que les Africains qui aujourd'hui voient la méchanceté de Poutine se rendent compte de la pression que l'Occident va mettre sur l'Afrique si jamais ils sont coupés de ressources en Russie? Est-ce qu'ils se rendent compte de la pression si jamais la Russie met aussi en évidence son train de sanctions en disant « Mon fer, je ne vous le vends plus. Mon gaz, je ne vous le vends plus. » Le blé, pétrole. Ça veut dire que même les 5% qu'on laissait au Gabon, là, c'est fini, c'est terminé, ça. C'est terminé. Merci, Edmond Kuyaté. On va terminer rapidement cette édition. Plus que 8 minutes pour sortir. Ce matin, je suis très choqué. Vous avez mangé du lion, on le sent. Non, ce matin, je suis particulièrement choqué parce que les Africains nous déçoivent. En fait, certains encore. Je suis content, heureux pour les Africains qui commencent à comprendre le jeu et les enjeux. N'est-ce pas, dans cette configuration géostratégique mondiale, et qui commence à comprendre que, en fait, ce que nous avons toujours regardé avec beaucoup d'admiration en croyant qu'ils étaient forts, c'est nous qui leur donnons cette force-là. Ce n'est qu'une force imaginaire et illusoire que Poutine a réussi à déconstruire en un laps de temps. On a vu, même ce qu'ils ont appelé sanctions, ils sont les premiers à pleurer. Eh oui, c'est ça aussi la vie. Edmond Kuyaté, messieurs, 7 minutes pour sortir de cette édition. Albert Anatoda ici, il y a une question quand même. Qu'attendent les autres États africains pour censurer et sanctionner, pour bannir, on va le dire ainsi, les médias comme RFI et France 24 sur leur territoire? Mais je vais vous décevoir, Steve Zelongos. Ces présidents-là, ou bien ces chefs d'État-là, lorsqu'ils veulent s'adresser à leur peuple, ils choisissent les médias locaux. Mais ils choisissent naturellement les organes de propagande du Quai d'Orsay. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Macky Sall veut s'adresser aux Sénégalais. Il va à RFI, n'est-ce pas? Il va à France 24, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour eux, c'est une question de raison. Ils choisissent la presse coloniale. C'est la presse coloniale qui choisit. Ils choisissent Jeune Afrique qui les insulte. Oui. France 24 qui les sabote. RFI les autres qui désinforment l'opinion. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je reviens un peu sur deux choses. Est-ce que vous. C'est une information qui n'a pas été assez relayée. L'ancien ambassadeur de France au Togo, puisque Macron nous parle, n'est-ce pas, de liberté de la presse, n'est-ce pas? Mais qui a mis les confrères de Fraternité et de Alternative en prison au Togo? Il y en a qui sont morts. Là. Qui les a mis en prison? Il y en a qui sont morts. C'est bien l'ambassadeur de France, c'est-à-dire le pays des libertés, qui a mis ses confrères en prison. Parce qu'ils ont écrit, ils ont fait un papier sur Franck Paris, qui est le monsieur Afrique de l'Élysée. C'est ça, il faut leur rappeler cela. Mais ils vous disent qu'ils sont pour la liberté de la presse. Mais ils ont la liberté de blasphémer, n'est-ce pas? Ils ont la liberté de bannir les médias qui ne font pas leur propagande. Mais bon Dieu. Mais je crois que nous avons un problème. Donc, il faut toujours faire leur propagande pour ne pas être banni. Mais c'est ça que. Il faut aimer la France. Tout à l'heure. Y a-t-il une loi quelque part qui déclare qu'il faut aimer la France? Vous avez. Tout à l'heure, Edmond parlait justement, n'est-ce pas, de ces Africains qui aiment le bourreau. C'est ça ce qu'il s'agit. C'est-à-dire que je ne sais pas comment moi je peux aimer mon bourreau. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je vais faire l'effort d'être calme ce matin pour leur faire comprendre que lorsqu'ils veulent prendre position pour ou en faveur des intérêts, n'est-ce pas, des Français, des Occidentaux, qui regardent dans le rétroviseur, qui regardent leur histoire, leur rapport avec l'Occident. Les rapports de l'Occident, les méfaits de l'Occident sur le continent africain et principalement, ça a été évoqué tout à l'heure, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et les conflits armés.
qui sont organisés sur le continent africain, le franc, pour ceux qui utilisent le franc CFA, le nazisme monétaire. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Il faut le savoir. Vous en avez qui ont pris les armes, fait cause justement pour l'Ukraine. C'est leur problème. S'ils vont mourir, ça fait moins de traite sur le continent africain. Je termine en disant que il n'y a pas eu, on ne peut pas convoquer ici la violation de la liberté de la presse avec le bannissement de France 24, oui. Avec le bannissement de RFI. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit justement d'une opération de salubrité publique. Parce que ces médias-là empoisonnent notre environnement. Et c'est important. C'est la même chose avec le corrupteur. J'ai dit qu'il fallait que les autorités maliennes aillent plus loin en retirant leur accréditation aux correspondants de ces médias-là. Et ce ne sont pas les seuls. Il faut aller plus loin. Quand vous voulez faire les choses, il ne faut pas aller faire la moitié. Je salue également la posture actuelle, n'est-ce pas, du président Touadéra. C'est vrai qu'il est en quoi les trois, parce qu'il y a une base militaire pas très loin de chez lui. Mais c'est important, il faut du courage quand même pour faire ce qu'il fait. Merci, Albert Anatole ici. Simon, vous avez le mot de fin ce matin. Oui, je pense que, vous savez, dans la vie, quand vous dansez même dans l'eau, votre ennemi trouve que vous se levez la poussière. Donc il faut comprendre la position de ces Français qui, tel que soit ce que peut faire le Mali ou la Centrafrique, ils sont en train de sentir que leurs intérêts sont en jeu. Ils sont obligés d'user de tous les voies et moyens pour noircir ces deux pays parce qu'ils sentent que c'est le pays où il y a la véritable révolution africaine qui est en train de s'installer. Et c'est le lieu ici de demander à tous les autres États africains qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Vous êtes à côté du lion. Vous achetez arracher les chèvres pour nourrir le lion. Le jour où il n'y aura pas de chèvres, le lion va se rappeler que vous êtes une chèvre. Il n'est pas pour vous. Donc, quel que soit ce que peut faire, quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Donc, Paris, ces gens-là, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils sont en enfer. Ils vont subir que l'enfer qu'ils méritent parce que dans nos pays africains, les hommes se marient pas entre eux, les femmes pas entre elles. Donc, ils ne vont pas nous l'imposer en pensant qu'ils vont nous faire croire à n'importe quoi. Donc, tu lis souvent la Bible, alors. Lis quoi, la Bible? Mais l'enfer qui n'est pas climatisé, c'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. L'enfer, c'est un nom français. Moi, je ne suis pas français. Je suis pas français. Si j'y vais, enfer, on m'a appris ça à l'école. Ah bon? On m'a imposé ça à l'école. Donc, je ne suis pas obligé de lire la Bible pour savoir qui a l'enfer. Bon, cependant, c'est le lieu ici d'interpeller tous les Africains qui se mettent en ordre de bataille pour dire non et non et non à ces histoires de Canal Plus, à ces histoires de Français qu'on parle, malgré moi, parce que n'importe comment, tant qu'on est sous la culture des autres, vous ne pouvez pas grandir sur les racines d'un autre arbre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez évoluer que sous les racines de votre arbre. Et si vous avez un arbre devant votre porte, au lieu de l'arroser, vous allez arroser chez le voisin, et même vous n'irez pas cueillir le fruit sur l'arbre du voisin. Donc, arrosez l'arbre de votre jardin et laissez celui du voisin. Au besoin, détruisez l'arbre du voisin si ça vous gêne. Merci à vous, Simon, d'avoir été là ce matin. Je vous tiens d'ailleurs à vous faire les salutations de Félix Tobon qui vous salue ce matin. Ah, vous devez le connaître. À vous également, patient parfait d'homme. Ouais, Félix Tobon vous salue ce matin. Il m'a dit de vous saluer. Il dit bonjour, mon frère, et mes salutations à Parfait d'homme et à Simon. De moi, c'est Félix Tombeau qui vous dit bonjour ce matin. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette édition d'IBS ce matin.